Bienvenue dans les Tribunes d'Info en partenariat avec Monde Afrique. Aujourd'hui, un numéro consacré à Nicolas Sarkozy. Bonjour Abdelrahman Dahman. Alors, vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous étiez conseiller aux affaires. En charge plutôt de la diversité, Nicolas Beau, directeur de Monde Afrique. Alors Abdelrahman Dahman, vous avez bien connu Nicolas Sarkozy, vous avez fait campagne pour lui en 2007, vous avez été ensuite nommé à l'Élysée, conseiller chargé de la diversité, mais vous l'avez quitté en mars 2011. Pourquoi l'avez-vous quitté? Écoutez, Nicolas Sarkozy, je dirais une chose, c'est que de novembre 2002, à 2008, c'était un homme de l'ouverture. Gentil, Nicolas. Si vous voulez, il n'y a pas d'homme politique gentil. Il y a un homme politique compréhensif et qui connaît la société française. À l'époque, en tout cas, Nicolas avait une connaissance de la société française, de la diversité, et il savait quel était le poids particulièrement des Algériens et des Maghrébins, qui représentaient quand même... Mais qui lui avait appris, parce qu'il était élu de Neuilly, où il n'y a pas beaucoup de diversité à Neuilly d'origine? Écoutez, moi, en tout cas, une chose est certaine, c'est que j'étais à l'UMP, et il nous arrivait de discuter ensemble, et je lui dis, attention, cette communauté est importante. Je venais de négocier, à l'époque, en octobre 2001, avec Michel Alliot-Marie, en présence, effectivement, de certains de nos amis, comme François Toisy et tant d'autres, en disant que Chirac, il est bien gentil, en 94, nous lui avons fait une campagne, il n'a pas fait d'ouverture en direction de la diversité. Cette fois-ci, il veut qu'on l'aide, et vous voulez qu'on aide Chirac pour le deuxième mandat, mais moi, je ne pars pas dans une campagne, s'il n'y a pas au moins deux personnes du Maghreb nommées dans le prochain gouvernement. J'ai dit, je fais confiance à Michel Alliot-Marie si elle est capable d'imposer au moins deux Maghrébins, puisque c'est une grande communauté. Mais écoutez, on a réussi, parce qu'il y a eu deux nominations dans le premier gouvernement de deuxième mandat. Il y a eu Amlaoui Mekachra aux anciens combattants, et il y a eu Tokia Saifi au co-développement, puis par la suite Begag, etc. Ça a été une révélation pour Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur. Oui, mais en 2005, quand il est de l'Intérieur, il va expliquer qu'il faut carcériser les banlieues. Il a un discours très brutal, très à droite sur les réalités de banlieue. Alors, non, pour quelqu'un était à l'écoute. Il est à l'écoute. Il a été donc argenté. Juste à un endroit où c'était un lieu de dealers, de drogue et dans toutes les banlieues ou dans toutes les cités déshéritées. C'est une femme qui l'a interpellé. Est-ce que vous êtes là pour nous débarrasser de la racaille? Il aurait dû, puisque je lui ai reproché directement en réunion des 20 secrétaires nationaux, où je lui ai dit, ce n'est pas ton rôle d'insulter les banlieues. Tu veux être président demain de la France, il faut garder tes distances. Personne ne lui a fait des reproches, je le lui ai fait, il les a acceptés. Alors, moi, je ne vais pas lui reprocher pourquoi il a insulté la racaille. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, dans cette période, il va montrer une ouverture aux communautés venues de l'immigration maghrébine. En plus, une fois élu, il va nommer Rachida Dati comme ministre de la Justice. Enfin, il y a des postes donc régaliens, donc c'est la première fois. Bon. Mais que cette espèce de sensibilité lui est venue plus par les pays arabes qu'il commence à fréquenter dans ces années-là. Il va aller en Libye avec Chirac, il va aller en Syrie,
Ce n'est pas il a développé Safran. des connexions avec le monde arabe et maghrébin, et qu'à partir de là, il va se dire, tiens, mais finalement, il y a aussi une communauté arabe. Ce n'est pas sa connaissance avec le monde arabe, et je te fais un peu un scoop. Il était régulièrement à Marrakech. Oui, Marrakech, ben c'est extraterritorial, Pas du tout. Marrakech, il y a tout un monde qui est là. Il y a les Saoudiens, il y a les Qataris, il y a les Marocains. Il y a même des Algériens, des Tunisiens. C'est un monde qui n'a même plus de nationalité. Mais le fait de t'approcher du monde arabe dans cette cité ou ailleurs, ça donne une ouverture. Non. Rappelle-toi qu'il a été le premier à dire « Je nomme un préfet musulman ». Il l'a dit alors que Jacques Chirac se trouvait à Tunis, et je me rappelle de la crise qu'il a piqué Chirac, en disant « Non, tu as nommé un préfet, mais pas sous musulman ». Sous Auriol et Coty, sous la 4e République, le secrétaire général de l'Élysée était un préfet musulman. Non, mais c'est Auriol, c'était à l'époque de la colonisation. Nous ne sommes plus du côté de la colonisation. Mais justement, on est dans un pays où la diversité, elle existe. Il y a eu une ministre, femme que j'ai connue, qui a été aussi ministre sous De Gaulle. Mais là, c'est la colonisation. Nous sommes aujourd'hui en dehors de la colonisation. Et nous avons une communauté musulmane de 6 à 8 millions. Non, mais tous d'accord autour de cette table. C'est de comprendre pourquoi Sarkozy, à ce moment-là, effectivement, pourquoi il l'a fait. Moi, a montré un intérêt réel pour ces communautés. Ben, je vais, au point de vouloir organiser l'islam, on va en dire un mot. Ben, on peut en parler de cette organisation. C'est même ça qui nous a un peu séparés, parce qu'il a voulu l'organiser avec les frères musulmans de l'UOIF. Non, le problème du fait de faire une ouverture, c'est que quand même, c'est un ministre de l'Intérieur, il était ministre de l'Intérieur et du culte. Il y avait un bureau du culte à l'intérieur, donc avec des conseillers, et qui pouvaient lui donner la réalité musulmane en France. Rappelez-vous de cette phrase où il a dit « Je veux un islam digne et non pas un islam des caves, et qu'il va falloir que ces musulmans puissent avoir des lieux de culte qui leur permettent d'assumer leur truc. » Ça, moi, je pense qu'à cette époque-là, il est très proche d'un homme qui est Claude Guéant, et qui lui, malgré tout son passé, très traditionaliste, très catholique, conservateur, est très sensible à ces communautés d'origine étrangère. Il a été préfet, il connaît le pays, et lui va beaucoup œuvrer auprès de Sarkozy pour qu'il y ait cette ouverture. Et après, quand il va y avoir ce tournant de 2009-2010, l'influence de Guéant va aller décroissant, et vont arriver d'autres conseillers. On va maintenant évoquer le tournant de Sarkozy sur la question d'islam, avec notamment l'influence négative de Buisson et de Copé. Abdelrahman Dahman, vous avez travaillé à l'Élysée. Vous pouvez parler de ce tournant, entre guillemets. Écoutez, le tournant réel, ça a été l'arrivée de Copé à l'UMP, en tant que secrétaire général. Buisson, c'est connu, c'était un homme issu de l'extrême droite, mais il n'était pas le seul. Il y en avait d'autres qui sont autour de Sarkozy. Et je pense qu'à mon avis, à partir du moment où il y a eu une montée du Front National, à partir du moment où on installe au sein d'un parti gaulliste et centriste, c'est l'UMP, c'est du gaullisme au centrisme, et on commence à créer un courant, la droite décomplexée, c'est-à-dire la droite fasciste, la droite qui veut aller récupérer les voix du Front National. C'est à partir de là où il y a un tournant réel, où Buisson avait son bureau à l'Élysée et Copé était au niveau de l'UMP. Sarkozy, c'est là où il a perdu son âme de la diversité. Et on a commencé à parler d'un débat sur l'islam. J'ai fait une note datée du 3 mars 2011 en disant « Nicolas, si tu veux gagner 2012, laisse tomber le débat sur l'islam, laisse tomber cette théorie de vouloir mettre en place l'idéologie islamophobe parce que ce que te recommande Copé,
il recommande ta perte. Il le savait, lui, que Copé n'était pas un ami. N'était pas un ami parce que, à l'époque où Sarkozy voulait accéder à l'UMP, Copé avait créé le TSS, tout sauf Sarkozy. D'accord, mais il n'était pas si proche que alors, ça de Copé. Alors, quand il va effectivement surfer sur tous ces thèmes extrémistes, est-ce qu'il le fait par calcul électoraliste ou parce qu'il revient à finalement sa nature profonde? Moi, je pense que c'est plus par calcul, parce qu'il est très cynique, opportuniste. Et d'ailleurs, une chose qu'il prouve, c'est qu'au moment d'ailleurs où il va basculer vers des thématiques type Front National, au même moment, il partage sa vie avec Carla Bruni, qui est une femme de gauche, qui a des valeurs humanistes, d'ouverture vers les elle-même est d'origine italienne, enfin, et qui n'a absolument rien à voir avec ses valeurs sectaires d'extrême droite. Donc ça prouve bien, l'homme n'est même pas écartelé. En privé, il vit avec Carla et ses intellectuels, et en public, sur les estrades, donc ça prouve un opportunisme total. Alors, écoutez, il est vrai que Carla est une femme qui a un cœur de gauche, qui a d'autres idées que celles de Copé et compagnie. La seule chose, c'est que Carla ne se mêlait pas de politique. Carla fréquentait rarement l'Élysée, sauf à l'occasion d'un chef d'État ou d'un roi, etc., où elle était invitée. Elle avait autre chose à faire que de venir dans l'aile de Madame, ce qu'on appelait l'aile Madame, le côté où, qui était réservé à Madame. Ce n'est pas le cas de Cécilia. Cécilia était impliquée dans la politique. Elle avait une connaissance de... Elle n'était pas d'extrême droite, elle n'est même pas de droite. C'est une humaniste. C'est elle qui était chef de cabinet. Est-ce que, par exemple, quand vous avez travaillé à l'Élysée, est-ce que vous avez l'impression qu'en 2010-2011, Sarkozy se dit, de toute façon, ces problèmes de banlieue, d'immigration sont tellement considérables, j'ai essayé d'œuvrer, mais je n'y arrive pas. L'islam, j'ai essayé de l'organiser, ça n'a pas abouti. Donc maintenant, comme l'opinion publique se déplace vers la droite, l'extrême droite, eh ben, autant l'accompagner. C'est comme ça que je serai élu, une espèce de découragement. Mais rien ne l'empêchait d'accompagner l'extrême droite en 2003, 2004, 2005. Elle était quand même beaucoup plus résiduelle. Pas du tout. Le Front National, il était en train de monter, il était en train d'arriver. Nous sommes en pleine crise économique. Sarko n'a pas fait plus que Hollande sur ce terrain-là. Et le chômage augmenté, je ne pense pas. Le Front National, c'était normal qu'il aille chercher dans les classes qui sont au chômage, dans ces classes populaires. Je pense qu'à mon avis, Nicolas Sarkozy a fait une erreur capitale, en écoutant Buisson. Qui maintenant, aujourd'hui, qui l'a trahi? C'est Buisson, Copé. Oui, mais Buisson n'est plus là et il continue sur ses justement, mêmes... Justement, on va parler notamment du Sarkozy actuel. Donc, il prévoit le 4 juin une convention sur l'islam. Donc, une réaction par rapport à l'organisation de cette convention. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une fondation de l'UMP qui travaille sur ces questions. Qui émet toutes sortes de textes très intéressants, très ouverts, très œcuméniques. Et à côté, on a les principaux ténors de l'UMP autour de Sarkozy, type Estrosi et d'autres, qui entonnent des espèces d'antiennes vraiment absolument extrémistes, l'islamo-fascisme, etc. Bon, c'est pas eux qui les ont inventés. Monsieur Manuel Valls, là-dessus, a donné aussi du coffre et de... Nicolas, je vais te dire une chose. Je crois qu'il y a une coupure nette de Nicolas avec l'islam. Il a voulu utiliser une fraction de l'islam qui est une fraction que personne n'aime. La preuve, ils sont en train de payer cher, c'est les frères musulmans. De l'UOIF. Il a voulu jouer avec eux, il a créé le CFCM. C'est le moment où il était proche du Qatar, qui subventionnait l'UOIF. Qui subventionnait tous les extrémistes du monde musulman. Là où ça ne va plus, c'est que maintenant, il a subi un échec total en 2012. 85% des musulmans qui votent ont voté contre lui, à cause de son idéologie islamophobe, à cause de ce débat sur l'islam. Il revient au galop et il dit « Je fais une convention de l'islam le 4 juin ». Il va me faire croire que Estrosi, Ciotti, Morano,
Mariani et toute et Vauquez, toute cette clique de républicains fachos. La nouvelle république qu'ils veulent créer, c'est les républicains fachos. Ce n'est pas autre. S'il croit que les musulmans vont courir chez lui parce qu'il va faire cette convention, il se trompe. Il se trompe. Parce que, d'une part, il n'y a plus de leaders musulmans ici. Il n'y a que des espèces de lâches qui sont là et qui croient représenter. Aussi bien en allant au bureau du culte, CFCM, coquille vide, tout le monde la dénonce, tout le monde la rejette. Ces gens-là n'ont aucune voix à lui apporter. Aujourd'hui, ce n'est pas en stigmatisant les musulmans, qui sont des démocrates, des citoyens. Nous, nous dénonçons pas d'aujourd'hui, depuis les années 90, dont moi le premier, j'ai dénoncé le terrorisme, lorsqu'il s'abattait sur les Algériens. Non, bien sûr. Mais truc. Alors, pourquoi toute une génération à laquelle vous appartenez est rentrée massivement dans la politique, comme conseiller, comme élu, etc. Et pourquoi, une génération venue de l'immigration, et pourquoi elle n'a pas réussi à peser davantage sur tous ces thèmes, que ce soit d'ailleurs à l'UMP comme au PS. On voit cette arrivée. Alors, est-ce que. D'où ça vient? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a une forme de récupération? Les pays d'origine sont des pays de lâches. Les pays d'origine, aussi bien le Maghreb, aussi bien ailleurs, ils sont d'une lâcheté et qui fait honte aux musulmans de France. Est-ce qu'il est normal qu'un copé qui insulte les musulmans est reçu par Bouteflika, est président. Non, d'accord, mais ça, c'est pays d'origine. Mais cette génération, elle a grandi en France. Oui, elle a grandi en France. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à peser, à constituer un lobby anti-raciste? Mais est-ce qu'elle était libre, cette génération, même la nôtre? Il y avait les pays d'origine. Le ministère de l'Intérieur, il discute avec qui lorsqu'il s'agit de l'islam? Demandez à l'actuel ministre de l'Intérieur. Il va à Alger, il va à Rabat, il va à Tunis pour parler de l'islam. Il ne va pas chercher les associations du terrain qui savent ce que c'est l'islam. C'est les pays d'origine qui ont affaibli parce qu'ils n'ont pas intérêt. Je vous donne un exemple type. La guerre d'Algérie, la révolution algérienne, elle a été supportée par l'immigration ici en France, qui était structurée, syndicaliste, politique, communiste, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, cette migration fait peur à Bouteflika et compagnons, parce que c'est la seule qui a une conscience politique. Mais pourquoi elle ne fait pas peur à nos dirigeants ici? Non. Parce qu'elle représente 6 ou 8 millions de musulmans. Non, mais jusqu'à présent, elle leur échappe. Vous avez vu, elle a voté massivement en 2007 pour Sarkozy à l'époque. Après pour Hollande. Après, elle a été chez Hollande, parce qu'il faut reconnaître une chose. Hollande n'a jamais dit un mot contre les musulmans. Mais pas pour non plus. Mais il n'a pas dit un mot. C'est déjà pas mal. Alors que Sarko l'insulte. Non, Sarko, il a dit fois tout et ce contraire. Non, mais il l'a dit. Hollande. Par contre, je peux vous dire une chose. Vous ne trouvez pas un musulman qui va aller dans les bras de Valls. Parce que le mot islamo-fascisme a marqué la génération actuelle. Alors, quand vous entendez, par exemple, Marine Le Pen, elle s'attaque au terrorisme, elle s'attaque à l'immigration, mais jamais elle ne met en cause les musulmans citoyens. Ça, jamais elle le fait. Vous l'entendez régulièrement dans le truc. Moi, je dis attention. Attention au discours qui stigmatise une communauté musulmane. C'est ce discours-là. Aujourd'hui, nous sommes avec le nouveau parti, les républicains fachos, c'est la stigmatisation de l'ensemble de notre communauté. Et moi, je dirais une chose, que Sarko s'attende, dans les quelques jours qui vont venir, que nous allons mener la même campagne que j'ai menée le 10 mars. Et vous votez quoi en 2017 alors? 2017, on a le temps. On a le temps de demander à notre communauté. Très bien. Alors rapidement, messieurs, un mot de conclusion en une minute. Abdelrahman, un mot de conclusion. Moi, je dis à la communauté musulmane, cessez d'être des lâches, cessez d'aller chez les uns chez les autres, regroupez-vous et défendez votre dignité. C'est votre dignité, votre citoyenneté qui compte et c'est votre vote.
en gardant le silence. Lorsque telle ou telle personne vous insulte, finalement, vous vous abaissez. Mais si à chaque fois que quelqu'un insulte, qu'un terroriste vienne ici pour vous mettre en cause, condamnez-le comme vous l'avez fait dans les années 90 et ne laissez pas un Estrosi, un Ciotti, une Mariano vous insulter. Ce que vous dites aura encore plus de poids si cette communauté se structurait davantage. S'il y avait beaucoup de médias comme Ouma, il faudrait 10 Ouma, 20 Ouma, des associations, etc., qui puissent peser sur le débat public. Et aujourd'hui, il y a une faillite de cette communauté issue de l'immigration à se structurer et à peser. C'est pas la structuration, n'est peut-être pas dans le. Non, mais d'accord. Mais surtout pas, ne diminuez pas ceux qui ont fait la longue marche des beurs, qui ont permis la carte de 10 ans. Ne stigmatisez pas des gens qui sont très proches de la réalité. Mais vous avez vu ce que sont devenus les marcheurs. Oui, mais j'étais avec eux. Enfin, mais qui les a atomisés si ce n'est pas le Parti Socialiste qui a vu une force réelle de la citoyenneté marcher pourquoi? Pour l'égalité de droits. Ils n'ont pas marché pour avoir du pain, ils ont marché pour être des citoyens à part égale. Merci messieurs, donc à très bientôt pour un autre numéro des Troublions de l'Info.